Good morgen, allez, Iden Nesusra, aujourd'hui, l'Elonishmat, Abraham Mordechai Ben Israël Vafani, David Ben Fortuna, Mazal Fripna et Dvora Bat Esther, ainsi que l'Irfuat Abraham Noach Ben Yehudit et Rachel Perl Batrika Betor Shapol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Mesrat Ktuvot, Perek Zain Mishnah Dalet Amadir et Ishto Shelo Telech Lebet Avia. Bisman Shehuima Ba'ir, Chodesh Echadikayem, Shnaim Yotzi Viten Ktuba. בזמן שהוא בעיר אחרת, רגל אחד יקיים, שלושה יוציא וייתן כתובה. On commence d'abord à traduire la Mishnah, après on explique un petit peu mieux la scène, comment elle se présente, parce qu'il va falloir introduire quelques petites notions, et voilà. Amadir et Ishto Shelot Elech Lebet Avia. On parle cette fois-ci de celui qui fait, qui interdit sa femme à, par les lois de Nedarim, des sourds Neder, des vœux, il lui interdit de partir Shelot Elech Lebet Avia. Qu'elle n'aille pas dans la maison de son père. Ils sont tous des trucs, et voilà, j'en ai marre que tu traînes là-bas, tu reviens après à la maison, tu perds la tête. Je t'interdis de repartir chez ton père. Oh non. Alors voilà. Alors Michel me dit, Bisman, Shouima Bayer. Si toutefois, son père habite dans la ville, Chodesh Echad Yekayem, Shnaim Yotzi Veiten Ketuba. Un mois, il pourra maintenir son éder, c'est acceptable. Elle peut assumer ça. Par contre, Shnaim, si elle, il lui interdit pendant 2 mois, alors là, c'est trop, il lui fait des misères trop dures, dans ce cas-là, Yotzi Veiten Ktuba, il devra divorcer sa femme et lui donner la Ktuba. Ça, c'est quand il habite dans la ville. Obizman Sheu Beracheret, et dans le cas où le père habite dans une autre ville, donc de toute façon, on ne peut pas aller fréquemment chez lui, et donc, dans ce cas-là, on lui donne une échéance plus longue, on lui dit « Regal Echad Yekayem » pour une fête, une des trois fêtes. Ouais, Pessah, Shavuot et Sukkot. Il lui a interdit pendant une fête, Yekayem, il maintiendra. Qu'elle n'aille pas, prochain Pessah, qu'elle n'aille pas chez son père. Elle pourra partir, elle partira Shavuot. Par contre, s'il lui interdit Shlosha, un cycle de trois fêtes, alors Yotzi Veiten Ktuba, il devra la divorcer et lui donner la Ktuba, parce qu'il n'a pas le droit de l'interdire tellement. Il y a plusieurs petites, on va commencer d'ailleurs par la fin, c'est plus facile, comme ça résout le problème, vous avez remarqué. 1, il maintient, 3, il interdit. Qu'est-ce qu'on fait avec 2? C'est comme quand on était petit, il y avait la publicité pour l'alcool. 1 verre, ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. Et 2, ah, ça commence à délirer. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Alors c'est la même chose. La Mishnah, en fait, la Mishnah est venue faire une petite allusion. Enfin, on parle en rapport avec Rabbi Yehuda, que l'auteur de cette fin de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, qui fait une différence entre Israël et les Kohanim, mais les Kohanim, on leur laisse une échéance plus longue, parce que s'ils divorcent, c'est plus compliqué, ils ne pourront plus reprendre leur femme. Donc en fait, pour un Israël, une fête, il a le droit d'interdire 2 fêtes. Non, pour les Kohanim, on lui laisse pendant 2 fêtes, qu'elle accepte, parce que s'ils divorcent, ce ne sera plus dans le temps. Et 3, on a interdit. Ça, c'est pour expliquer le petit point facile de la Mishnah. Le point beaucoup plus compliqué à comprendre dans notre Mishnah, en réalité, c'est que, tout d'abord, deux notions. Ça n'existe pas qu'un homme, il interdit à sa femme d'aller chez son père. Il n'a pas de droit sur sa femme, je vous ai déjà dit, je ne peux pas vous interdire, vous êtes sur le point de manger votre sandwich, j'interdis de manger votre sandwich, je vous interdis par les sourds de Nedarim de manger votre sandwich. J'ai aucun droit sur une chose. Pour pouvoir faire un Neder, il faut avoir un droit sur quelque chose. Or, sa femme qui part chez son père, ça ne concerne pas son mari, dans la mesure où elle est là, elle lui fait la popote quand, selon ses conditions, et que lui aussi remplit ses conditions, bien évidemment. Il ne peut pas l'interdire d'une chose pareille, donc ça n'existe pas. Donc en fait, il faut expliquer qu'on parle d'autre chose. Maintenant, on parle de quoi? Donc en fait, il faut parler en fait qu'elle a fait une condition. Mais alors, on va expliquer autre chose maintenant, une autre notion un petit peu. Il faut savoir que le mari a le droit, elle a un droit d'annuler les nédarim de sa femme. D'accord? C'est Isha Yeferenu, ve Isha Yekimenu, dans Parashat Matot. Vous avez sûrement déjà au moins connu l'idée. Le mari, il a la possibilité, il a un droit de veto sur les nédarim de sa femme. Lorsque sa femme, elle prononce un néder, le mari l'annule. Elle dit, je m'interdis le fruit, et lui, il dit, oufar lach, je te l'annule. C'est pas comme la tarat nédarim, c'est la farat nédarim. On aura le temps de découvrir tout ça quand on arrivera dans Maseret Nédarim. Il y aura un péric entier qui parle de ça. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer maintenant, un petit peu, de préciser quel type de nédarim le mari peut annuler. Il ne peut pas lui annuler tout. En théorie, il peut lui annuler que ce qui lui concerne à lui. Soit la femme elle va faire un néder où le mari va avoir un préjudice de ça, il va souffrir, il va galérer à cause de ça.
alors il a le droit de l'annuler. Si elle fait un éder qui ne la concerne que à elle, elle fait un éder qu'elle ne va plus parler, je vais m'interdire de parler à ma copine. Elle m'a trop vexé, et je fais le néder pendant un mois, je ne lui parle plus. Le mari ne peut pas lui dire je t'annule le néder. Parce que c'est pas quelque chose qui concerne le mari. D'accord? Maintenant, par contre, si elle va dire. Par contre, alors là, bon, c'est vaste, et dans le néderim, on définit exactement. Mais le dvarim shabbal va faire, il y a une Mishnah qui commence comme ça. Avec Shemini, je crois. Ce qui le concerne, mais avec un regard un petit peu plus vaste, ce qu'on appelle les nidrei inouï nefesh. Ken, un inouï nefesh, un nidre qu'elle fait sur elle, qu'à cause de ça, elle va souffrir. Par exemple, elle va plus, elle en a marre d'être un peu rondelette, elle dit, je veux plus manger de sucre. Or, ça ne veut plus manger de sucre, on a besoin du sucre, la sérotonine et tout ça, ça rend joyeux, quoi, on en a besoin. Pas débordé, d'accord, mais. Donc, du coup, là, c'est quelque chose que si elle va se priver de quelque chose, le mari va rentrer à la maison, il va trouver une femme qui tire la tronche pendant 2 semaines. Il a le droit d'interdire ce néder parce que ça s'appelle inouï nefesh. On parle de vin, on parle de toutes sortes de choses. Inouï nefesh, quelque chose qui va trop souffrir la femme, qui va l'épouvanter. Alors, le mari va en souffrir. Il a un droit sur ça d'annuler le néder. D'accord? Ça, c'est une introduction générale. Je vous introduis donc deux choses. D'abord, que ça n'existe pas qu'un mari il interdit des choses à sa femme, si ça ne le concerne pas. Mais que, par contre, qu'une femme, elle s'interdise des choses. À part ça, je vous ai dit. Qu'une femme qui s'interdit des choses que le mari a. Va en pâtir de ça, va avoir des difficultés à cause de ça, il a un droit de les annuler. Ce qu'on appelle soit les dvarim chez Beno Lebena, soit dvarim chez Inouï Nefesh, il y a des classes différentes, on ne rentre pas dans trop de détails. Je reviens maintenant sur notre Mishnah. Dans la Mishnah, il écrit que le mari, il a interdit à sa femme de partir voir son père. Ça n'existe pas. Il ne peut pas faire ça. Il n'a pas de droit de faire ça. Il n'a aucun. Qui prononce jusqu'à demain, il n'y a pas, il y a aucune considération à donner un tel néder, ça n'a pas d'emprise. Donc on parle en fait dans notre Mishnah que c'est autre chose. On parle que c'est la femme. Que elle est. Alors maintenant, alors donc il va falloir dire qu'en fait, on parle d'un néder, que c'est la femme qui prononce le vœu et que le mari qui le cautionne. Mais de nouveau, on ne peut toujours pas parler du cas où la femme, elle dit je fais le néder, ne plus aller chez mon père parce que le mari n'a aucun droit ni de maintenir ni d'annuler, donc on ne parle pas de ça. On parle en fait d'un cas où la femme. Elle a dit, voilà, si je repars chez mon père, je fais le néder que j'ai plus de rapport avec toi. Oh, là, ça concerne le mari. Donc le mari, il a le droit de l'annuler. Et pire que ça, si le mari va maintenir le néder, alors là, elle sera en droit de demander le divorce, selon le principe qu'on avait déjà dit. Il demandait le divorce et qu'il lui donne un ktouva, parce que quoi? Tu sais bien, une femme, elle s'emballe, elle crie, elle est en colère, elle prononce, elle parle, elle tire plus vite que son ombre. Elle dit des choses qu'elle ne pensait pas, mais lui, il est là avec son sang-froid qui lui dit, allez, ouais, t'as raison, mais plus les pieds chez ton père, c'est sadique. Donc dans ce cas-là, la Mishnah, quand elle se calme, après, elle lui dit, mais maintenant, bon, tu m'as pas annulé le vœu? Il lui dit, non, pas du tout, j'étais très content que tu aies pu mettre les pieds chez ton père. Voilà. Si c'est ça, elle lui dit, reviens, on va au Beth Din, tu me donnes mon guet et ma ktouba, s'il te plaît. D'accord? Elle a le droit de faire ça parce que le mari l'a maintenu le nerf. Et sur ça, on a dit, jusqu'à 30 jours, c'est tolérable. Si elle a fait prononcer un vœu que pendant 30 jours elle ne va plus aller chez son père, le mari peut dire ouais, elle était raison, ça fait pas de mal, garder un petit peu de distance, ouais. Mais si pour toutefois elle s'interdit qu'elle ne met plus les pieds chez son père pendant 2 mois, ou plus, ou un régal et tout ça, comme ce que la Mishnah nous a dit, dans ce cas-là, le mari il sera en droit. Et si le mari maintient ce néder, alors elle sera en droit de lui réclamer qu'il la divorce et qu'elle lui donne la ktouba. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Salam.